j'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo et ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas fait. C'est un troisième haul et en même temps un haul de tout ce que j'ai acheté depuis le début du confinement. Il y a vraiment, vraiment beaucoup d'affaires, je l'avoue. Il y a longtemps que j'ai pas fait de haul et je me suis dit que c'est un bon moment de vous en faire un. Alors, j'espère que vous allez aimer ça. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et mes réseaux sociaux, ben faites-le. Et sans plus attendre, ben c'est parti. La première affaire que je me suis pris, dans le fond, c'est chez Amazon et c'est le DVD de la première tournée de Marinée. Et je me suis pris son DVD parce qu'il n'avait plus nulle part dans tous les magasins et je l'avais jamais vu non plus. Alors, c'est une bonne notation de me procurer. Les prochaines affaires, je l'ai pris sur Old Navy, Ardennes. Et la boutique de Tableau et sur la boutique de Deux Frères. Les premières choses que je me suis prises, c'est chez Old Navy, c'est vraiment mon magasin préféré parce que je suis vraiment difficile comme personne à magasiner. Donc, je me suis prises plusieurs t-shirts tout comme ça. J'en ai un en noir parce que c'est toujours pratique, on peut toujours en avoir de besoin d'un. En rouge parce que j'avais aucun chandail rouge. Il a l'air orange à la caméra, mais en réalité, il est rouge. J'avais juste un t-shirt jaune, mais j'en avais un aussi avant, mais il était plein de coups. Puis j'aime ça les chandails jaunes également. Et des jeans troués. J'aime ça. J'aime bien ça, honnêtement. Je n'avais jamais essayé. Je n'avais jamais essayé avant, mais j'aime bien ça. Puis c'est la grandeur Power 3 et 3. Et la taille, c'est un 6 ans. Et les t-shirts, me semble que c'était médium que j'avais tout pris. Ouais, donc tous les t-shirts c'est medium et le pantalon c'est un 6. Chez Ardennes, je me suis pris une camisole comme ça. Ben, ça faisait vraiment longtemps que je m'en cherchais une comme ça. Puis en plus, c'est le fun que le collet m'arrive ici. Alors que les camisoles qui arrivent juste ici, j'aime pas tellement ça. Alors, celle-là, ça va être parfait là, pour moi. Moi, j'adore habituellement porter des têtes camisoles. Durant l'été, ça va être parfait pour moi. Ensuite, je me suis pris ce bas de pyjama. En fait, c'est un ensemble de pyjamas. Donc, un bas de pyjama avec des chats. Avec un petit haut avec un petit chat qui sort d'une poche. Donc, je l'aimais bien cet ensemble-là. Aussi, un t-shirt, un pyjama, t-shirt puis pyjama. C'est écrit Oh Hello Weekend. Let's do this. Ensuite, un autre t-shirt pyjama. Lazy Sunday. Sur un t-shirt. Comme ça présente comme ça. Je n'avais pas de ce style-là, puis il y a deux poches aussi sur le côté. On peut pas mettre grand-chose dans les poches, mais j'aimais beaucoup la veste. En plus, elle est super douce, puis j'ai eu la chance de la porter le week-end passé, alors mais c'est samedi dernier, et elle est vraiment super douce, je vous la conseille vraiment. Ensuite, c'est la boutique de Deux Frères, je me suis pris leur chandail, leur t-shirt, c'est un medium. Dans le blanc. Et en plus, c'est le fun parce qu'il y a une partie des villes qu'ils ont fait en tournée. Finalement, la dernière affaire que je me suis pris, c'était la collection complète de Matilda. Mais j'ai demandé en trois fois et le dernier chandail, je l'ai reçu aujourd'hui même. Donc, le premier t-shirt, c'est écrit Point d'Etis en noir. En blanc, j'ai aussi pris le genre de Waze. Matilda, il me fait tellement rire, ça n'a aucun sens. Donc, avec sa petite face dessus, le genre de Waze. La manche jaune, c'est lui que celui-là que j'ai reçu aujourd'hui même. Encore avec le point d'Etis. Surtout en médium. Et le genre de Waze, c'est le premier que j'ai reçu. Ils sont tellement trop forts en plus, là. Et voilà! Alors, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo-là. J'ai aucune idée de combien de temps elle a duré,
parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de try and hold, puis j'aime bien ce type de vidéo là. Alors j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, faites un thumbs up, abonnez-vous à moi, ce n'est pas encore fait. Mes liens sont dans la barre de description. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!